Wow, mes amours, vous avez vu ça? Je t'en prie, ne me quitte pas, t'es mon amour à moi. Cette chanson, je crois qu'elle est de 2008-2007 par là. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Je suis sûre qu'il y a plein de filles qui sont tombées enceintes avec cette chanson. Bon, écoutez, vous êtes mes amours à moi et je vous en prie, ne me quittez pas. Parce que oui, c'est vous qui faites de Rose Mouni ce qu'elle est. C'est vous qui faites de moi celle que je suis si vous n'êtes pas là. Je suis quoi? Je suis rien. Donc oui, pour ceux et celles qui sont nouveaux, je vous dis abonnez-vous, likez, commentez, hein, pouce en l'air. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, Passion Passion, et bien sûr mon Facebook, Rose Mouni. Sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Dans ce vif du sujet, vous savez que je vous avais dit que j'allais en Afrique, donc je reviens d'Afrique et je vous ai ramené plein de trucs. Donc je vais pouvoir vous montrer ma forêt, de mon village, mes affaires, mes petits trucs, ce que j'ai pu faire là-bas et surtout, 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 ce que je vous ai ramené de là. Oui, dans cette vidéo, on va parler de trois choses. On va parler en primo du moringa. Qu'est-ce que c'est que le moringa, mes amours? Oui, le moringa, vous le trouvez partout, en vente libre partout, en parapharmacie, sur Internet, hein, dans les marchés en Afrique. Oui, c'est un produit qui est très, très, très commun et c'est un produit qui vaut son pesant d'or. Mais en plus de ça, on va parler de l'écorce de mangue et des feuilles de mangue. Comment est-ce que vous pouvez combiner ces trois produits pour être un carton, pour être en forme, messieurs, vous qui avez des problèmes, comment vous pouvez vous servir de cela pour aller mieux? Madame, vous qui avez des problèmes de santé, comment est-ce que vous pouvez vous servir de cela pour aller mieux? Sachez que le moringa, rien qu'à lui seul, soigne plus de 300, j'ai dit 300 maladies. Sachez que l'écorce de mangue, les feuilles de mangue que vous voyez là ont des pouvoirs que vous ne soupçonnez pas. Et pourtant, en Afrique, on a des mangues partout, mais les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas les vraies choses, mes amours. Oui, donc, sans plus tarder, je vais vous présenter déjà ce que c'est que le moringa, hein, mes amours. Parce que j'en ai ramené comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai ramené des quantités faramineuses d'Afrique. Voilà. Donc, ça, c'est le moringa. Alors, je vais peut-être mettre la main dedans pour prendre. Voilà, donc ça se présente, bon, une petite quantité peut-être, voilà, comme ça. C'est ça, moringa seeds, pépin de moringa, voilà. Donc vous pouvez voir. Maintenant, je vous ai aussi pris, bien sûr, comme je ne fais rien à moitié, je vous ai ramené un petit peu d'écorce, mais ces écorces-là sont déjà toutes écrasées, hein, vu que c'est à des buts commerciaux que je les ai pris, mais j'ai pris un petit peu, sinon écrasé pour vous. Donc voilà, ça c'est l'écorce de mangue, hein. Comme vous pouvez le voir là. Bon, ça, tout ça est en poudre maintenant. Le moringa, les feuilles, l'écorce, tout est en poudre maintenant. J'ai des grosses quantités, 20 litres, 30 litres de seau de, voilà, de seau de ça. Donc, je vais vous parler des vertus de ces produits-là. Mes amours, sachez que c'est pas pour rien qu'on appelle le moringa l'arbre de vie. Et c'est pas pour rien qu'on appelle le manguier chef de famille. Oui, chef de famille parce que l'écorce de mangue que je viens de vous montrer là, messieurs, lorsque vous avez des problèmes de santé, lorsque par exemple vous fumez trop, vous avez des troubles de fatigue, vous avez des troubles, je sais pas moi, de perte de mémoire, des problèmes cardiaques, des problèmes de cholestérol, de toxicité, toutes ces choses-là. Oui, les mamans savent pourquoi est-ce qu'ils font infuser les feuilles et les écorces de mangue, et on vous conseille même de prendre ça en poudre, mes amours. C'est pas pour rien tout ça. Donc ici je vais vous vanter les vertus du moringa et comment. Donc lorsque vous faites votre préparation, hein, de moringa et d'écorce de feuilles de mangue, prenez une cuillère de chaque, mes amours, une cuillère de chaque que vous allez verser dans un demi-litre d'eau. Vous secouez bien, vous buvez une moitié le matin, une moitié le soir. Et bien sûr, quand vous buvez ça le matin, buvez-le à jeun, mes amours. Vous buvez ça à jeun. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous devez boire cette déconcoction que je suis en train de vous donner dans cette vidéo? Déjà, vous pouvez voir comment on extrait. Hein. Là, je vous ai montré comment je suis en train de cueillir l'écorce. C'est l'écorce que je fais sécher et que j'écrase pour vous, mes amours. Oui, voilà comment j'extrais ça. Je marche avec des personnes qui connaissent ce que c'est et qui savent comment extraire. Et bien sûr, nous avons des laboratoires pour assainir, pour en sacheter et pour faire tout le nécessaire. Donc, voilà. C'est ça qu'on doit prendre. Ah, c'est la partie de dedans. Non, il dit c'est tout ça.
C'est l'Écosse, hein? Oui, oui. Mmh. C'est ça, non, non. D'accord. D'accord. Voilà. C'est bon. Sachez que cette déconcoction dont je viens de vous parler ici va tout simplement vous permettre d'assainir votre organisme et surtout de prévenir beaucoup de maladies. Si vous voulez lutter contre le cholestérol, réguler votre taux de sucre dans le sang en vue de lutter, réguler votre taux de sucre dans le sang en vue de lutter contre un éventuel diabète, qu'il soit gras ou maigre, vous devez boire cela matin et soir, je vous le conseille définitivement. Vous qui souffrez de rhumatisme, mes amours, de douleurs articulaires, de mal de dos, hein, vous avez les os qui craquent comme une vieille serpillère, une vieille chaussette, servez-vous de cette déconcoction, mes amours. Ça va vous faire un bien fou, je vous assure. Vous allez venir me dire merci, ouais, je sais, je sais. Mm. Mes amours, si vous avez des problèmes de tension élevée, oh, oh, faites cette déconcoction. Vous qui avez des problèmes de tension artérielle trop élevée, tout ça, oui, ça, ça va faire, ça va calmer ça. Tout de suite, oui. Qui avait 40 ans, mais vous en passez 50, vous en passez 60. Mes amours, grâce aux puissantes vertus du moringa, aux vitamines, aux éléments et bien sûr aux principes actifs contenus dans ces trois ingrédients dont je viens de vous citer, oui, ça va vous aider non seulement à lutter, à retarder le vieillissement, mais surtout à vous rajeunir, à vous détoxifier, à vous assainir. Sachez que l'huile de moringa agit comme un stabilisateur de collagène. Ça veut dire que lorsque vous allez appliquer l'huile de moringa sur votre visage, là, les filles, vos rides qui sont en train de manana, nanana, ça va tirer tout ça. Ça va tirer tout ça. Maintenant, vous allez me demander, bla 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 bla, Rose, comment est-ce que tu peux nous dire que deux arbres pareils peuvent avoir autant de vertus? Mes amours, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Sachez que rien que le moringa contient 92 éléments nutritifs. Je ne vais pas tous vous les citer ici, mais je vous envoie faire des recherches. Il contient 46 antioxydants, 36 anti-inflammatoires, 18 acides aminés dont 9 essentiels. La vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, B1, B3, B12 et bien sûr la vitamine E. Pourquoi est-ce que je vous parle du moringa? Pourquoi est-ce que vous devez absolument connaître le moringa? Mes amours, vous qui êtes jeunes, sachez que vous devez prévenir votre corps de certaines maladies comme le cancer. Sachez que le moringa oliférant, comme ça s'appelle, est utilisé depuis des millénaires, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Bref, c'est utilisé de par le monde et c'est pas pour rien. Je vous ai parlé dans une vidéo du maca, des baies de goji, de la spiruline. Ce sont tous des produits, hein, comme le moringa, qui sont détonnants pour votre santé. Mais combinés à l'écorce et aux feuilles de menthe, ça va tripler la puissance, ça va tripler la force de cela. Messieurs, vous qui avez des faiblesses, vous qui êtes faibles, vos petites veines là en bas, vos veines caves là en dessous sont bouchées. Buvez cette déconcoction matin et soir, mes amours, ça va enlever toute la saleté, même quand vous allez pisser, rien que l'odeur des urines. Mm-hmm. Donc sachez que c'est l'un des éléments, c'est l'une des concoctions les plus riches au monde. C'est même devant le curcuma, devant le thé vert. Et ça protège, et cela protège toutes les cellules de votre corps, mes amours. C'est pour ça que je vous dis, le moringa oliféra est un allié principal lorsqu'on parle de votre santé, lorsqu'on parle de bien-être, lorsqu'on parle d'amélioration de la santé. Pour finir cette vidéo, je vais juste vous citer, hein, pour finir de vous convaincre, je vais vous citer quelques maladies que vous pouvez soigner avec cette déconcoction, cet ensemble de moringa, écorce de mangue et feuilles de mangue. Je vais vous citer quelques maladies. Vous pouvez déjà partir, hein, parce que le nombre de maladies, vous pouvez déjà partir parce que ça va être très long, mais on va finir là-dessus. Donc, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et maintenant, je peux commencer à citer. Sachez que cette déconcoction va soigner la fièvre. Sachez que cette déconcoction peut soigner le diabète, la goutte, les plaies, les maux de tête, mal de gorge, bronchite et infection pulmonaire, infection des yeux, infection des oreilles. Un aphrodisiaque, oui, pour vous messieurs qui avez des problèmes avec vos engins. C'est un très bon aphrodisiaque, je vous ai dit, ça va enlever tout ce qui est saleté. Oui, si vous avez le cholestérol, tout ce qui bloque là-bas,
ça va enlever tout ça. C'est un anti-inflammatoire, ça va lutter contre l'hystérie, ça va lutter contre les tumeurs, ça va lutter contre le cholestérol, ça va lutter contre l'enlargement de la race. Ces graines-là que vous avez vues, ces graines-là, ce sont des puissants antidépresseurs. Vous qui êtes stressé tout le temps, qui êtes déprimé tout le temps, prenez ça en poudre, mes amis. Et surtout, ça peut aussi jouer un rôle de laxatif, stimulant cardiaque, atténue les douleurs articulaires, les douleurs rénales, mal de dos, maladie des yeux pour le traitement des os. Et bien sûr, pour les patients atteints de délire, de démence, toutes ces choses-là, faites infuser ces trois-là. Vous prenez la personne, vous le faites asseoir sur une chaise, vous mettez couvert avec un gros drap pour qu'il puisse aspirer la fumée du truc. Faites ça 3 à 4 fois, vous allez voir. Toute la démence, là même, c'est le démon qui le possède ou c'est lui qui possède le démon, ils vont se séparer. Oui. Donc, mes amours, je ne vais pas aller plus loin. Je vous envoie chercher sur internet. Vous allez halluciner. Oui, que ce soit le moringa, l'écorce de mangue, les feuilles de mangue, vous combinez ces trois-là. Une cuillère le matin, une cuillère le soir de chaque. Vous mettez dans un demi-litre d'eau. Vous prenez un verre le matin, un verre le soir, mes amours. Vous allez voir. Vous allez venir me dire merci ici. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et vous savez que je vous aime.